Yo, what's up, Omiji? Mon nom est Korn et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur Alcazia. Bien oui, les amis. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les formes, puis ensuite, on va l'améliorer. So, je sais pas qui trop qui a créé ça, mais je trouve ça vraiment swag comme spawn. So, j'ai décidé de monter, faire des plusieurs étages avec plusieurs objets, dans le sens que à deuxième étage, on pourrait peut-être faire une machine à potions, le troisième étage, une table d'enchant, des enclumes, des trucs comme ça, et le dernier étage, des petits un étage avec des coffres, par exemple. Je dis ça comme ça, c'est seulement une idée, les amis. On verra en temps et lieu. Commençons directement par l'étage du haut. Ça nous prend environ 1, 2, 3, 4, comme ça. 4, comme ça, ouais. Voilà. On va faire 4 de hauteur chaque partout. Puis en bas, ben les amis, vous aurez la hauteur qui restera, comme ça, on est sûr et certain. J'ai pris mon inventaire de renforcé de sonde, les amis. J'espère sincèrement qu'on va en avoir assez. Du moins, j'espère. Et puis, vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? J'ai décidé de faire un renfort cette sonde parce que ben c'est pas pistonnable et puis si jamais ben il pistonne pour faire tomber jusqu'en bas ou il pistonne pour avoir les coffres, ben ce sera pas pistonnable. C'est cassable mais pas pistonnable, so c'est déjà une bonne nouvelle. Déjà mieux que rien. Au pire des pires, les amis, on rajoute des dalles encore, puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Fait que je voulais vous parler aussi, les amis, d'Alcazia. Qu'est-ce que vous voulez me voir faire sur Alcazia? Comme au début, j'avais demandé, qu'est-ce que vous voulez voir faire? Des pillages, vraiment des tutos, comment créer une base correcte, etc. Je sais vraiment pas ce que vous voulez, les amis. Fait que dites-le-moi dans les commentaires de cet épisode-là. Ça me ferait super plaisir de savoir qu'est-ce que vous voulez voir, dans le fond. Parce que moi, je peux pas vraiment savoir ce que vous voulez si vous me le dites pas, les amis. C'est comme les enfants, quand ils pleurent, on peut pas vraiment savoir ce qu'ils veulent parce que ils peuvent pas parler. Moi, c'est la même chose, je peux pas savoir. Non, c'est pas vrai. C'est une comparaison de marde. La comparaison de la mort qui tue. Faut pas le dire. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Quand on va faire le premier étage, on va l'aménager du mieux qu'on peut. Je pensais peut-être faire des coffres ici au-dessus. Je suis pas sûr, mais ça pourrait être une bonne idée. Oh, là, je me suis trompé, je vais fermer ça. Toujours ça qui s'allume à chaque fois que je fais une vidéo. C'est à cause que ça m'indique comme quoi que je prends beaucoup de trucs. So, voilà, j'imagine que le F1 a été fait par X-Demon, Blackbird et Odam. Et Malfox, j'imagine. Je suis pas certain. Peut-être un petit peu de Max là-dedans. Je sais pas, mais gros dédicace à ceux qui l'ont fait. Moi, j'ai rien touché. Je suis en train de rajouter ma personal touch. Je suis en train de mettre ma touche personnelle. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. So, on a un étage de fait. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait instaurer des coffres avec de l'eau. Mais, sachant que, je vais vous montrer, les amis. L'autre côté, c'est deux couches de renforcé de sonde et du sable. Normalement, c'est du sable l'autre côté. Voilà. So, ça nous propose quand même quelque chose d'assez assez hardcore à piler. À piller. So, ouais, je vais peut-être plus opter pour faire des coffres sécu ou l'étage du dessus, parce qu'on est trop au-dessus, j'ai l'impression. Fait que, ouais. Donc on va essayer de descendre encore de 4. Doucement. Tac. 1, 2, 3, 4. Ça, on va l'installer juste là. Parfait. On va monter un petit peu. Oup, là, comme ça. On est rendu. On a de l'espace pour faire des coffres, des trucs et tout et tout. Peut-être qu'au-dessus, peut-être que. Non. Ok, on va faire l'autre couche d'en dessous. Ok, ici, ça va être les coffres. L'autre couche d'en dessous, on va laisser environ 10 ou 13 de place, de hauteur, pour pouvoir faire des machines à potions. Parce qu'on en aura besoin un jour ou l'autre, les amis, des machines à potions. Et puis, voilà. Fait que c'est ça qu'on va faire. Ouais. Bonne idée, Alex. On est vraiment tout en train de préparer, là. Ça risque d'être assez cool. J'espère aussi que ça va vous faire plaisir, les amis. J'ai essayé de vous préparer plein de vidéos ces temps-ci. So, j'espère sincèrement que ça va vous faire un grand plaisir. Vous avez aussi The Icons Review qui est sorti, les amis. Il y a quelques épisodes de tournée, je crois, normalement 3. Maintenant, vous le savez, les Icons Review, il y a tellement de gens qui demandent à passer dans les Icons Review que je vais prioriser ceux qui sont le plus motivés, ceux qui, voilà, vous avez compris, ceux qui veulent vraiment, ceux que je trouve qui ont vraiment de l'avenir. Ceux qui n'ont pas d'avenir, je vais pas encourager un serveur qui n'a pas d'avenir. On doit s'entendre là-dessus. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ma machine en ce moment? Ben normalement, il y a encore une série de PvP swap que j'ai décidé de transformer en série avec Miss Liv, Narian, Démon et Blackbird déjà qui ont passé dans ma série. Je vais aussi inviter des abonnés pour faire du PvP swap avec moi. Et puis, ça peut être aussi des amis, ça peut être n'importe qui, ça peut être des gens random aussi que je connais, des gens que je connais pas, ça peut être vraiment des gens random qu'on va éviter, on va apprendre à se connaître. Dans cette série-là, ça va être vraiment des PvP swap autant fail que win, et puis ça va s'appeler PvP swap fail vu que la plupart du temps je fail, et puis voilà. Ensuite, les amis, quoi d'autre qu'en ce moment? Ben, Minecoin va revenir en version 2, je vais y retourner comme d'habitude, vous le savez, vous deviez m'attendre à. Vous devez vous y attendre.
Puis après, quelle autre série qu'il va avoir sur ma chaîne? Ben du Alcazia. Et puis encore de Icons Review. Puis le reste, on verra en temps et en lieu. Donc on va faire ça cet auteur-là, je trouve que c'est bien. Sacha Guide. Ta gueule. Le... En fait, Sacha est super gentil, c'est juste qu'il est un petit peu jeune pour avoir un rôle comme ça. Je sais pas. Après, c'est pas à moi de juger, mais. Il est super gentil, mais bon. Boum, 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 boum. Oh oui, les amis, je vous ai peut-être pas parlé de mon texture pack si vous le voulez, les amis. Dans toutes les vidéos d'Alcazia, normalement, il devrait être dans la description à télécharger si j'oublie pas. Sinon, vous allez sur la rubrique forum et puis vous allez dans texture pack et là, il y aura le icon pack qui va être disponible normalement bientôt. Je vais bientôt faire un topics pour vous expliquer tout le pack, etc. etc. Sauf voilà. Normalement, dans le dernier épisode, vous avez vu une review aussi, mais vite fait des épées, etc. Je vous ai pas parlé du feu, etc. Mais vous laisserez découvrir. Il y a juste vraiment les épées qui ont changé et les inventaires du pack de Alcazia. So, voilà, c'est pas mal juste ça que j'avais à dire. Le feu est rose, so, ça peut être assez swag. Swag, swag, swag. Je trouvais que ça pourrait être swag. Et puis voilà, j'ai décidé de garder. Fait qu'ici, ça va être l'étage à potion, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va être l'étage à potions. Il faudra mettre des panneaux genre pour tout s'énumérer. Puis ben je vais essayer de construire une machine à potions. Shit, ça va être chaud. Mais on va essayer. Au moins d'installer des alambics et quelques petits trucs pour ensuite transférer pour des machines à potions normales. Mais oui, on va tout aménager les salles, inquiétez-vous pas. Au-dessus, en dessous, là on va faire la bibliothèque. Avec les trucs d'enclume. Comme ça. Comme ça, on a des séquences. Ça sent bien bien. On va se laisser encore. Après ça. Voilà. Sert à rien de faire trop trop grand, puis ça sert à rien de faire trop trop petit. So, juste dans le milieu, c'est correct. Regardez, on a de la place pour poser des blocs, on a de la place pour sauter, ça va. Puis la base est assez grosse, là, c'est 250 blocs de hauteur, j'imagine. Je vais pas vous montrer coordonnées, attendez un instant. Ouais, ça va jusqu'à la limite de la map, 250, so, de en haut jusqu'à là, parce qu'ici on est à peu près à 180, ça va. Ça va easy, inquiétez-vous pas. Ça va dans le fond de la surface jusqu'à la bedrock. Si je m'abuse, même un petit peu plus haut, ouais. Ça va jusque dans les airs et tout et tout. C'est vraiment swag, je peux pas vraiment vous en dire plus, les amis. On va essayer d'aller à l'extérieur après, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Et puis, ouais, vous allez voir, c'est assez swag, assez fucked up. La personne qui a créé ça pour notre fac, JG à elle, sincèrement. Et là, j'ai mis des access, en gros. Fait que, y a plus personne qui a accès, par moi. Blackbird, Eodam et Malfox, les quatre chefs de la Bifree. Il y a aussi So Sweet, normalement, qui devrait nous rejoindre, si elle n'est pas déjà là. Invite So Sweet. Ah, là, Eodam a dû l'inviter, même pas, je vais l'inviter. Comme ça, elle voulait rejoindre, so je vais l'inviter comme ça. Quand elle pourra se connecter, elle aura qu'à rejoindre. Voilà, ensuite, je parle beaucoup dans cet épisode-là, hein. C'est vrai que je sais pas si vous aimez quand je parle, etc., comme ça. Mais pour le moment, on dirait que vous aimez ça. Bonjour, ma petite chérie, comment vas-tu? User joined your channel. Ok, bonjour. Shit. Bonjour les amis. Ok, il y a deux Narian qui ont rejoint en mode YOLO. Je dois le prendre comment? D'accord. Enfin bon. Fait que voilà les amis, je vais continuer cet épisode-là en me concentrant. Faut qu'on garde la concentration les amis. Parce qu'il y a une merveilleuse personne qui a rejoint le channel. So faut quand même garder sa concentration malgré tout les amis. Je dois juste aller voir qu'est-ce qui se passe avec la lave en dessous. Ah oui, elle se coupe puis elle se remet. Est-ce que j'ai fait une connerie? Comme d'habitude, tu me diras. C'est pas très nouveau. So, voilà. Ouch. Je vais juste aller voir le message. Pourquoi il y a deux Narians? Oh là 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 là. Là là là. Tu peux répondre à mes questions, hein, c'est pas grave. Je t'ai introduit dans mon épisode même si tu peux pas parler. À moins que si tu peux parler, tu peux parler. Mais je pense pas que tu peux. Ah ouais, ok. Un, c'était pas assez. Deux, c'était mieux. Ok, d'accord. En gros, les amis, elle a décidé de brancher les deux PC en mode YOLO. Je suis trop riche. J'ai deux PC. Bye. Voilà, comme ça. Voilà. Walou, 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 walou. Comme ça, on va placer ça ici. On va y arriver, les copains. Ça va pas être long. Fait que je vais faire cet étage-là, puis je vais décider de. Je vais juste aménager les deux autres. Parce qu'ici, j'ai dit que je ferais une bibliothèque. On va faire une bibliothèque. Au-dessus, on va faire les trucs à potions. Fait qu'on va mettre des alambics, des coffres pour mettre des ingrédients de potions. Et puis, au tout dernier étage, on va mettre ben, possiblement un truc d'enclume, une forge ou quelque chose.
Parce que je sais pas trop quoi faire au dernier étage. Fait que voilà, je sais, t'as vu comme ma voix elle est sexy. Yay! Oh là 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 là. Et puis, voilà les copains et les copines. Voilà. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va finir cet étage-là, puis on va directement commencer à faire la bibliothèque ici. Ensuite, au-dessus, comme j'ai dit, les trucs à potions. Mais les machines vont être faites automatiquement par d'autres personnes parce que j'ai pas vraiment le temps de regarder des tutoriels, etc. En ce moment, sur YouTube, je suis pas mal occupé ces temps-ci. On est la deuxième semaine des vacances bientôt. Puis voilà, j'ai prévu de faire d'autres choses que du Minecraft pour la deuxième semaine. J'ai décidé de prendre du temps pour moi et ma chérie. Attends, je vais aller voir ça. Voilà. Moi, je vais toujours être là, mais je vais pas tourner de vidéo, les amis, parce que voilà. On va profiter du temps qui nous est donné, vu que le temps est précieux, les amis. Dans n'importe quel cas, que ce soit avec vos familles, etc., on sait jamais quand est-ce qu'une personne qui vous est chère ou qu'une personne que vous aimez peut partir rapidement de ce monde. So, vous devez profiter de chaque instant et chaque seconde que vous avez avec eux, puis vous devez leur dire que vous les aimez. C'était le petit moment culture d'aujourd'hui. So, oubliez jamais ça, les amis. C'est vraiment important. So, je vais aller au Home Home. Et là, ma chérie va genre poster, waouh, t'es trop chou, voilà, quelque chose comme ça, puis voilà, en mode YOLO, j'aurais rien vu. Voilà. Fait que là, on va prendre les trucs qu'on a besoin pour faire notre truc de merde, notre bibliothèque. Premièrement, pour faire une bibliothèque, je veux intégrer ça à l'intérieur de ma bibliothèque. Parce que moi, les pistons, ça me branche, tu vois ce que je veux dire. Normalement, il devrait y avoir des clés de bibliothèque quelque part ici. Prendre ça fait du swag pour prendre la bibliothèque. On va juste checker toutes les coffres, les amis. On se retrouve tout de suite après. Yup, j'ai tout ce qu'il nous faut, les amis. Et puis, on va se lancer. J'ai pris quelques temps quand même pour parler avec ma charmante épouse. Bon, désolé. En fait, elle m'a remballé, mais c'est pas grave. Détail, faut pas le dire. Fait que, on va commencer à crafter notre, disons-le ainsi, notre bibliothèque magique. Parce que moi, j'aime pas faire ça les choses ordinaires. J'aime faire les choses extraordinaires. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma femme. Mais bon, détail. Ok, je dis ça juste parce qu'elle est là, hein, parce que normalement je suis pas mignon. Mais c'est pas grave, faut pas le dire. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est très moche, mais ça va. J'ai déjà vu pire. Mettons-le comme ça plutôt. Ouais, c'est plus soi comme ça. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il a marqué? Si, si, mais bon, on n'en parlera pas. Parce que ça m'a brisé mon cœur. Mon cœur! Mon cœur d'enfant Voilà, comme ça. Et puis, deux. Ce qui veut dire que ces pieds-là, ils montent jusqu'en haut, à ce qui paraît. Ça, c'est juste à ce qui paraît. Peut-être que je devrais mettre un bloc de renforcé de cendre là. Pour être sûr de ne pas perdre moins de blocs possible. Voilà, on va casser ce bloc-là. Comme j'ai dit juste avant. Et ça nous donne une petite bibliothèque comme ça. Assez sympathique. Inquiétez-vous pas au milieu, il y aura d'autres choses, les amis, hein. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. C'est peut-être un de mes défauts. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah, oh, shit. Parce que là, on aura besoin de plus de bibliothèques possibles. Il y en a tellement à la base aussi, mais bon. Quand même, je préfère ne pas en utiliser trop trop. Faut qu'on dise, ouais, mais Icon, t'as pris toutes les bibliothèques, ouais, je t'en ai même pas laissé pour les poissons rouges, tu vois. Et ben, je me sentirais trop mal, puis voilà. Parce que les poissons rouges, c'est la vie, les amis. Ok, il me reste plus de bibliothèques, so on va aller vite fait à la base. Notre base perso, à moi et quelques copines. Parce que, bien entendu, j'ai pas de copains, j'ai juste des copines. Ou pas. Ok, merci, c'est gentil, j'apprécie tout. J'apprécie que t'aimes mon imitation, sincèrement. Du profond de mon cœur. Ça me prend.
Au départ, je voulais mettre des pistons et tout, les amis, mais je me suis dit que ça allait être trop compliqué. Et j'avais peut-être raison. En gros, ça, c'est tout des kits, j'imagine. What the fuck? Attends, juste ça, comme ça, voilà. Ah, mais fuck you! Bibliothèque, Chris, c'est pas dur à trouver, là. Je veux des bibliothèques. Il doit sûrement en avoir quelque part, juste que je regarde pas dans les bonnes choses. Ah, tiens, il y en a là. 16, pas assez. Ça. Ok, et puis on va prendre pour terminer des minerais de granit. Ce que vous savez, moi j'ai le swag, les amis. Slashback for reality, don't body body. J'allais faire mes frappes, c'est comme un cave. Ça aurait pas été trop beau. Hein. So, là, on a ça. Est-ce qu'on a la commande slash craft? Non, on n'a pas la commande slash craft. So, il faudra crafter une table de craft pour crafter des bibliothèques. Ça fait beaucoup de mots crafter, je trouve. Mais on n'en dira pas plus. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok, comme ça, comme ça. On jette ça. On n'en a rien à foutre. Voilà, 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 et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment vous la trouvez, notre bibliothèque, les amis, jusqu'à maintenant? J'essaie les swag. Inquiétez-vous pas, c'est pas que le début. So, maintenant qu'on a ça, on va essayer d'aller de ce côté-ci. C'est du côté qu'on a fait le plus de fer. On va essayer de récupérer le plus de livres possible. Ouais, il faudrait pas qu'il tombe dans la lave, par exemple. Ce serait un peu con. Plein de livres. Et là, on va repartir en mode kamikaze. J'ai rien fait. Bye. Tu m'as pas vu. Comme ça, ça s'est fait. Là, on a 55 livres. On va pogner ça. On va crisser ça dans la table de craft. En table de craft. On va faire ça comme ça. En mode YOLO. 18 bibliothèques de plus. On a 37 bibliothèques pour faire le milieu. So, maintenant qu'on a le milieu, les amis, il faut juste simplement, je vous expliquais, faire une table normale, en gros. So, vous faites ça comme ça. À partir de celle-là. Celle-là. Bah ici, la table de craft est à la bonne place. Puis comme ça, vous remplissez les murs comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, je me suis trompé. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Je pense que je me suis fait en mes détails. Faut pas le dire. Est-ce que ça marche comme ça? Attends, on va juste casser ça. Casser ça. Ouais, la table dans craft, dans la table d'enchant, elle va être ici. Puis là, faut lui donner des niveaux. So, en gros. Désolé, je couperai son montage. Si j'oublie, ben tant pis. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il manque de trucs. So, comme ça, on va crafter les livres. Ok, on va faire plus de bûches. À skip, il y en a pas assez. Est-ce que tu t'amuses à rigoler de moi? À tes chouettes! Elle est mignonne, la petite, aujourd'hui. Oh là 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 là. Et là, on va essayer quelque chose de vraiment swaggy swaggy. Peut-être. Ah oh oui, on va faire les murs de 1 de plus, puis on va en incruster là. Ça va être assez cool, vous allez voir. Ça me prend encore des bibliothèques. Fuck. Je vais acheter des bibliothèques, les gars, puis on se retrouve. Attendez. Qui me donne max de bibliothèques? SVP. Ok, on se retrouve après. Yep, les gens se reprend. So, il y a Max Power qui nous a donné 2 stacks de bibliothèques. Et là, il y a encore lui qui va sûrement nous en donner. So, sacrifice, les amis. Ça, c'est du truc. Moi, je donne la renforce de titan en mode. Je m'en bats les couilles. 2 autres stacks. Wow. On a 4 stacks maintenant.
Chaud, on peut construire notre truc tranquille. So, comme je disais juste auparavant, on va faire ça comme ça. Et là, on va faire ça. Boum, boum, boum. Genre un genre de cubi. Genre ce que là, ça va être le roi de la table d'enchant. Je sais pas, je dis de la merde, les amis. Inquiétez-vous pas. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et puis là, à l'extérieur, on pourra faire ça comme ça. Ouais, swag! Je trouve ça swag, man. C'est beau. C'est beau. Est-ce qu'on peut enchanter niveau 30? Sur quel bloc on peut enchanter là-dessus? Aucun. So, attends, on va juste se crafter une épée en bois. Niveau 30, parfait. C'est parfait. Ok, celle-là, celle-là et celle-là, comme ça. Celle-là, normalement, c'est niveau. Voilà. Celle-là. What? Mon épée, mon épée. Faut que je teste sur cette épée-là. Elle est super importante. Celle-là, c'est niveau 1. Parfait. On a une épée en bois sharpness 1. Celle-là, elle sert plus à rien au-dessus. Mais, pas grave, on va quand même. On peut pas mettre des blocs de bibliothèque sur le côté. Ce serait swag. Buddy disconnected from your channel. Bye. C'est pas gentil de quitter comme ça. Comme ça, on a l'étage de la bibliothèque de fait. Voilà, voilà, voilà. Personnellement, je la trouve vraiment magnifique. Vous me direz vous, mais moi perso, je trouve ça vraiment cool. On aurait juste à nous mettre un petit panneau avec notre marque de commerce, on peut dire ça ainsi. So, premièrement, on va raccrocher le bloc là. On va mettre des tables de craft dans tous les coins. Puis voilà. Fait qu'on va faire trois tables de craft. Des panneaux. Comme ça. Puis dans le prochain épisode, on va s'occuper, dans le fond, les amis, de la salle de Nether. Ok, voilà. 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 Je m'excuse pour l'épisode qui était un petit peu long, les amis, mais c'est comme ça, les épisodes où on peut pas vraiment contrôler parfois qu'est-ce qui se passe et tout, sauf voilà. On va mettre ça comme ça ici, et oh, il manque une bibliothèque là, comme ça ici. Voilà. Moi, je trouve ça swag. Alors on mettra deux autres tables d'enchant là. Voilà. So, ça c'est la bibliothèque. On va l'appeler. What? La biblio. Attends, on va faire ça. What? Non, non, attends, c'est pas comme ça, c'est quoi? C'est ça, c'est ça. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Comme microphone activated. Microphone muted. Microphone muted. Microphone activated. Voilà, comme ça. Ok, et là on va appeler. Biblio-t-icons. Voilà, comme ça. Comme ça, trop swag, t'as vu. T'as le seum, on va faire la même chose partout. Sauf qu'ici, on va faire juste des... Comme ça. Biblio-t-icons. Voilà. Et là, ici, on va refaire le truc. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Comme ça. Biblio de icons. Oh shit, c'est icons sur la deuxième ligne. Voilà. Et swaggy swaggy. Pour le quatrième ici, on mettra une autre pancarte. Voilà, les amis, j'espère que l'épisode vous a fait plaisir. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu. Si on atteint les 100 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Bloup. Bisous, c'était Icon, le Pikachu de l'Internet.